Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Kylian Mbappé qui devrait s'engager avec le Real Madrid. Avant les amis d'El Plo, n'hésite surtout pas à liker la vidéo si elle te plaît, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi activer la petite cloche pour ne pas rater la suite des vidéos à venir. Et nous les mecs, on est parti pour parler de Mbappé au Real. Mbappé sera en train de jouer un sale tour à Leonardo. Le Real Madrid aurait demandé à Kylian Mbappé de ne pas prolonger son contrat avec le PSG afin de pouvoir le recruter facilement lors du prochain mercato estival. L'avenir de Kylian Mbappé sera assurément l'un des feuilletons à suivre lors du prochain mercato estival. Le jeune joueur est à un tournant de sa carrière et devra faire un choix dans les prochaines semaines. Sous contrat jusqu'en 2022 avec le PSG, l'international français n'a toujours pas prolongé son bail avec le club de la capitale. Mbappé souhaiterait être rassuré sur le projet parisien et obtenir des garanties sportives de la part de ses dirigeants avant de donner son accord et signer un contrat qui sera certainement de courte durée. Mais en Espagne, son arrivée au Real Madrid ne fait plus aucun doute. Selon Ocadario, le Real Madrid est déterminé à mettre la main sur Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival. Le club espagnol aurait d'ailleurs demandé aux joueurs de ne pas prolonger son contrat avec le PSG afin de pouvoir formuler une offre suffisamment élevé pour convaincre Leonardo et qui ne mettra pas à mal les finances du club. Le Real Madrid se montrerait confiant dans ce dossier Mbappé et est certain que le PSG le vendra cet été afin d'éviter de le voir partir libre en 2022. Le joueur est toujours resté effacif sur la question de son avenir et devrait annoncer sa décision après l'Euro. Sans dire les frérots qu'un journaliste espagnol assure que Kylian Mbappé sera bien transféré cet été du PSG au Real Madrid, mais que l'officialisation arrivera tardivement, vraisemblablement quand les compétitions auront repris. Personnellement les mecs, moi j'y crois pas trop, car les gars on va pas se mytho, toutes les informations arrivant d'Espagne concernant Kylian Mbappé et Neymar sont à prendre avec des pincettes. Le Brésilien, par exemple, est annoncé de retour à Barcelone à chaque période de mercato depuis 2017, en gros depuis son arrivée. Et de plus, il vient de prolonger avec le PSG. Alors quand le journaliste ibérique Ciro López explique que le Real Madrid va signer Mbappé cet été, ce n'est pas une option, mais plutôt c'est un fait. On peut se permettre de douter, surtout qu'il ajoute « cela prendra du temps avant d'être officialisé, peut-être juste en août ». Voici en tout cas les frérots pour cette petite vidéo mercato sur le Real Madrid, plus précisément sur Kylian Mbappé au Real. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci les mecs infiniment pour le soutien, on est déjà plus de 16 000, c'est énorme. Continuez de liker mes vidéos, de partager, de vous abonner, voilà, vous êtes les boss. Go les 20 000, je compte sur vous. Et puis voilà, à la prochaine, salut, au revoir.